rappelle plus du titre, mais je dirai tout à l'heure. Et puis, les choses ont fait, très bien fait, qu'elle est arrivée en finale. Et donc, ce soir, je dis, je sais bien s'il venait un peu nous donner un petit concert. Et puis, je dis, maintenant que ce sont des vedettes parisiennes, ça m'étonnerait qu'il vienne. Mais non, c'est avec joie qu'ils sont là. Donc, je vais vous demander aux femmes, surtout de ne pas discuter, de respecter les artistes et la critique. Voilà. Merci et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, très bonne année à chacun. On est ravis d'être parmi vous ce soir. C'est vrai, on n'est pas de la RAGNE, mais notre cœur, il est aussi attaché à la RAGNE. Et on est très heureux d'être parmi vous pour ces instants de fête. Pour ce moment, on va se souhaiter la bonne année ou se re-souhaiter la bonne année. Et c'est vrai que l'histoire avec la RAGNE, voilà, elle est importante. Quand l'équipe municipale et M. le maire nous ont appelés pour nous demander de jouer, et on a dit oui de suite parce que nos origines, elles sont petites et elles ont commencé aussi avec la RAGNE. Les sources de l'amour en famille, une grande partie est à la RAGNE. Sur les marchés, depuis ça, on va attaquer la troisième année, de début mai jusqu'à fin septembre, tous les jeudis. Et c'est vrai que ça nous a amené jusqu'à Paris, à l'émission Prodige, où Dina a été jusqu'en finale. Et c'était complètement inattendu qu'ils nous repèrent comme ça. Et donc ils ont entendu parler de la RAGNE jusqu'à Paris. Et puis on est retourné à Paris, puisque Dina a été invitée par le pianiste Aurélien Froissart juste avant Noël pour jouer avec lui. Et pour jouer un chant, on va commencer avec ce chant-là. Et c'est une vidéo qui a fait un peu un buzz mondial, puisqu'on est à 400 millions de vues. C'est juste incroyable. Mais les gens, des fois, ils nous abordent dans la rue, ils disent « Mais ça a changé quoi pour vous ?» etc. Mais en fait, ça n'a rien changé pour nous. On est restés les mêmes, on restera les mêmes. Et on reviendra à début mai au marché à la RAGNE avec grand plaisir. Voilà. Mon mari le dit de lâcher le micro, il ne va pas partir. On va commencer avec justement la vidéo dont je vous parlais avec le pianiste Aurélien Froissart. C'est un chant ukrainien de Noël Chedrik, mais que les anglo-saxons ont repris, qui s'appelle Carol of the Bells. Et puis on va vous faire certains tubes du marché, certaines nouveautés, des chants de Paris, puisqu'on est allé plusieurs fois à Paris l'année dernière. Et voilà. En tout cas, merci pour votre accueil, pour tous les encouragements chaque jeudi, pour les moments de partage. C'est vraiment un vrai plaisir. Merci. Très belle année à chacun d'entre vous. Merci. Thank you.
de Un monstre à Paris. Et donc je vous demande...
de taper le rythme, le tempo, tous les temps dans les mains. Vous allez voir, c'est très facile au début. Au début. D'accord ? Et le but, c'est qu'on arrive ensemble à la fin, qu'on perde personne. Et je ne veux pas vous mettre la pression, mais il y a un reporter du Dauphiné dans le coin. Hein. Il va noter les noms de ceux qui sont partis. Ok, on y va ? Donc une jig irlandaise. Vous êtes d'accord ? Oui.
chaque fois sur le marché de la reine. C'est extrait du film musical The Greatest Showman. Voilà, c'est un bébé extrait de ce film-là, très très beau, histoire vraie sur Phineas Barnum et sur ce personnage qui a mis sous Barnum les gens différents de son époque, de la société cachée, de la société considérée comme des monstres. Lui, il invente un spectacle avec eux et la musique de ce film est tout simplement merveilleuse. Et c'est vrai que quasiment tous les jeudis, on nous l'a demandé, on va vous le faire ce soir. Et encore merci pour l'invitation, merci beaucoup. De la rame, tu vois, comme une magie qu'il y a ici.
deux dames qui a des petits chocolats. C'était un agenda pour marquer tous les concerts que tu vas avoir. Attention à la petite chounette. Ah, elle veut prendre le micro.